Et bonjour à tous. Alors, petite brocante improvisée parce que je venais par ici pas pour ça du tout. J'ai su pendant dans le bus, les gens discutaient, ils disaient qu'il y avait la brocante. Donc en fait, ça m'était complètement sorti de la tête. Donc c'est une brocante qui se fait au parc du Tremblay. C'est tous les premiers samedis et dimanches de chaque mois. Bah, depuis plus de 20 ans environ. Donc voilà, on est le premier samedi 2 janvier. Donc il y a une brocante, un vide-grenier. Ça se passe sur le parking de ce parc du Tremblay. C'est à Champigny-sur-Marne. Voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce parc, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc je sais pas ce que je vais trouver. Si je trouve quelque chose. Il est 11h30. Donc il est pas. Il est là assez tard. Donc voilà, je sais pas. Je vais voir, j'ai du temps, donc. J'espère pas grand chose, mais bon, c'est au jamais. Allez, à tout à l'heure. Bon, allez, je quitte cet endroit. Je vous ai pas montré. Ce que j'ai trouvé, j'ai pas trouvé grand, parce que rien trouvé, mais bon, c'est toujours ça. Alors, j'ai trouvé, voilà. Un personnage de Captain Power. Alors, pas n'importe lequel des Captain Power, c'est le Captain Power. Voilà. Donc, un jouet des années 80. Je vais pas parler d'ici de Captain Power, mais voilà, j'en ai déjà plein. Dès comme ça, il va aller rejoindre les autres. Et j'ai trouvé un film. The King of Fighters. Alors, je l'ai payé 1 euro, hein. C'est marqué 10 là, non, 1 euro. Alors, c'est un film. Moi, je dis qu'il fait partie d'une trilogie. Des films du même genre, avec Street Fighter, La Légende de Chun-Li et Tekken. Ce sont des films qui ont été produits en 2008, 2009, peut-être 2010 pour celui-là. Et donc, 3 films sur des jeux vidéo sur les jeux de combat. Et c'est ces 3 films qui ne sont pas sortis au cinéma. C'est directement en DVD, donc c'est la loose pour des films qui ont coûté quand même pas mal d'argent. Il y a pas mal d'effets spéciaux dedans. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore vu. La Légende de Chun-Li, je l'ai vu et j'ai trouvé ça correct. Je trouvais ça correct, ça aurait pu être pire. Et Tekken, je ne l'ai pas encore vu. Mais je l'ai, mais je ne l'ai pas encore vu. Donc ces 3 films-là, La Légende de Chun-Li, Tekken et The King of Fighters. Mais c'est aussi les acteurs que j'aime bien. Ici là, le grand méchant de King of Fighters, c'est Rugal, si je ne me trompe pas. Voilà, il est joué par Ray Park. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Ray Park. C'est un acteur cascadeur, voilà. C'est entre autres dans son rôle le plus connu, c'est Dark Maul dans La Menace Fantôme. Voilà, il joue donc des personnages masqués. Enfin, on ne reconnaît pas son visage. Voilà, il joue aussi le ninja noir dans G.I. Joe. Le film, le ninja qui ne parle pas. Voilà, c'est aussi lui qui joue, donc évidemment on ne sait pas que c'est lui. Il joue dans les X-Men, le premier, le film, il joue le crapaud. Voilà, donc que j'aime bien. Donc il est dans ce film-là. Bon, mais bon, je sais pas si je vais essayer de le regarder un jour. Voilà. Bon, voilà, je quitte cet endroit, cette brocante et ce parc-là. Ça doit être sympa de vivre ici, là, dans ce parc. Il y a même des maisons. Donc je suppose pour les gardiens. Donc voilà, allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.